Ils vous tiennent le coup. Enfin, je crois. Bien sûr, je m'en suis occupé. D'où ma prochaine question. Qu'est-ce que ça fait d'être un génie? Comment pourrais-je le savoir? Il faudrait peut-être demander à... Vous ne devriez pas répondre? Ça semble assez sérieux. Phil est bouleversé. Son prénom, c'est Agent. Parlez à l'androïde de Tony Stark. Laissez un message. C'est urgent. Laissez-le d'urgence. Intrusion. Monsieur Stark. Phil, approchez. Nous faisions une petite fête. Pourquoi, Phil? C'est au sujet des Avengers, dont je n'ai jamais entendu parler. Je croyais le projet abandonné. On m'avait même rejeté. Ça aussi, je l'ignorais. Je suis apparemment imprévisible, narcissique, mauvais équipier. Ça, je le savais. Il ne s'agit plus de profil. Thank you.
oubliez ça. Consultation toutes les deux semaines, le jeudi de 8h à 17h. Ce n'est pas une consultation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... ça. Waouh, d'accord. Je prends le jet pour Washington dès ce soir. Tu as du travail. Beaucoup de travail. Captain Steve Rogers, un homme hors du temps, dans le sens littéral. Quand il est devenu Captain America, il a vécu des tas d'aventures et a affronté des ennemis incroyables. Je me demande si l'avenir sera différent pour lui. Enfin, le Captain a affronté des adversaires étranges, mais aucun aussi dangereux que Crâne Rouge et Arnim Zola. Heureusement qu'il a pu compter sur Peggy Carter et son ami Bucky Barnes. Des insomnies? Excelsior! Aouh! Ils ont refusé que je mette un juste au corps. Thank you.
Docteur Zola, qu'en pensez-vous? C'est un chef-d'œuvre! Que se passe-t-il? Captain America, quel plaisir! Allez, on y va! Hop. Captain America, on dirait un
mercenaires minables arrivés à temps pour découvrir la véritable force d'Hydra. Captain Rogers, répondez. Steve, vous êtes là? Est-ce que votre radio a encore lâché? J'espère que vous me recevez. Crâne Rouge peut être extrêmement dangereux. Restez sur vos gardes. C'est plus pratique que tu ne crois. T'auras pas cette chance. On va pouvoir tester vos nouveautés, docteur. J'ai hâte de voir comment le bouffon et son bouclier s'en tirent. Bien sûr, Herr Schmidt. Activation des canons défensifs. Steve, tu penses pouvoir éteindre ce feu avec ton bouclier? Vous avez un grand pouvoir, Captain! Mais vous vous baladez dans un costume de bouffon! J'ai vu l'avenir, Captain! Pas de place pour les clones! Ça suffit! Thank you.
faut améliorer vos modèles, Zola. Désolé, Herr Schmidt. Les prochains seront meilleurs. Et c'est reparti. Battez-vous, coûte que coûte. Ne les laissez pas bafouer le nom d'Hydra. Tous les jouets de Zola, Captain. Maintenant, voyons votre réaction face à un vrai défi. Il lui faudra plus que ça pour arrêter les quatre Brooklyn. Après toi, Captain. Thank you.
pas d'inquiétude, on finira par trouver la solution. Vous avez un problème? Je suis là pour ça. Rogers? Oh non, j'espérais que la radio serait réparée depuis le temps. Crâne Rouge doit être tout près de votre position. En fait, vous l'affrontez sûrement déjà. Bonne chance, Captain. Allez, Captain, on les tient cette fois. Quelque chose me dit que Crâne Rouge va regretter d'avoir fait ça. Votre obstination serait admirable. Si vous n'étiez pas aussi stupide, nous sommes l'avenir et vous, vous servez des êtres inférieurs. Thank you.
Je te soutiens jusqu'au bout, mon pote. Si on manque notre coup, on sera fini sur le champ. Remuez-vous, les insectes. C'est bon, cette fois. La radio va fonctionner sans problème. Captain Rogers, répondez. Toujours rien. Oh, ça, c'est contrarié. Essayez de progresser à l'avant du train. Armin Zola ne s'en tirera pas cette fois. Nos infos indiquent que Zola est dans le premier wagon. On va avoir besoin de lui pour attraper Crâne Rouge. Essayez de progresser à l'avant du train. Armin Zola ne s'en tirera pas cette fois. Nos infos indiquent que Zola est dans le premier wagon. On va avoir besoin de lui pour attraper Crâne Rouge. J'ai détecté des intrus à bord. Défense activée. Tout le monde à son poste. On dirait qu'on a de la compagnie, capitaine. Ici Coulson, mais vous pouvez m'appeler Phil, ou agent. Encore eux? Où Hydra dégote tous ces types? Ah, on se sent submergé, pas vrai? Bien. Oh! On a eu chaud! Je préfère détruire ce train plutôt que d'être fait prisonnier, Captain! Abandonnez avant qu'il soit trop tard!
super soldat, tu sais. Est-ce que tu pourrais m'aider? Vous êtes en mission, monsieur ? En effet. Pour me renvoyer dans le monde ? Pour le sauver. L'arme secrète d'Hydra. Demain, Hydra deviendra maître du monde. Et volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Vous auriez dû le laisser au fond de l'eau.